Bien, l'audience est reprise. Madame Bercé, vous avez la parole. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'avais fourni à la Chambre comme à l'accusé un tableau qui reprend le nom de trois témoins et qui donne à chacun de ces témoins une lettre de l'alphabet pour veiller à ce que l'identité de ces témoins ne soit pas divulguée lorsque j'évoque des informations qui ne sont pas publiques. Je suppose que la Chambre ne veut pas passer à huis clos partiel. C'est ainsi que j'ai essayé d'empêcher que l'on doive passer à huis clos partiel. J'espère que j'y ai réussi. Madame et Messieurs les juges, l'accusé a commis des crimes en Croatie. Il a commis des crimes en Bosnie-Herzégovine. Et il a aussi commis des crimes en Serbie. Dans ce cas-ci, il a fait un discours au village d'Erskosti, le 6 mai 1992. Un discours qui a attisé les flammes de la haine ethnique et a changé à tout jamais l'aspect qu'avait ce village. Il a accompli exactement ce qu'il avait entrepris de faire. Il a réussi à chasser les Croates du village, à les chasser de la Serbie. Avant que la Yougoslavie ne commence à se désintégrer, le village de Hrtkovci, en Vojvodine, en Serbie, avait une pluralité ethnique. Il y avait une majorité croate, mais aussi des Hongrois et des Serbes qui y vivaient. Des témoins vous ont dit qu'il y avait beaucoup de mariages mixtes entre Serbes et Croates, Serbes ou Hongrois. Et les habitants d'appartenances ethniques diverses coexistaient en paix et en harmonie. Mais cette tranquillité a commencé à s'effriter, à changer. Le changement fut lent au départ, à mesure que le village était infecté par ce conflit interethnique violent qui faisait rage dans la Croatie voisine et puis en Bosnie-Herzégovine, à mesure que de plus en plus de réfugiés serbes sont arrivés en Vojvodine à la recherche d'un endroit où ils puissent vivre. Après le discours de la haine de l'accusé le 6 mai, 1992, les changements qui s'étaient opérés lentement à Hrtkovci ont explosé en tension et en peur ethnique. L'accusé, personnellement, a fait sentir cette tension, a instillé la peur dans la population de Hrtkovci par sa haine. Il les a tellement apeurés que beaucoup ont pris la fuite, se sont enfuis du village peu de temps après. Il a encouragé personnellement les réfugiés serbes de Hrtkovci à participer à sa campagne de persécution contre les Croates. Comme on le voit au paragraphe 561 et 562 du mémoire en clôture de l'accusation, les éléments de preuve montrent, au-delà de tout doute raisonnable, que l'accusé a matériellement commis des actes de persécution par son discours de la haine, en raison de ce qu'il a dit, de qui il était et du contexte de guerre dans lequel il a fait ce discours. Il avait choisi Hrtkovci comme étant l'endroit idéal où faire ce rassemblement du SRS le 6 mai, parce que ce village avait une majorité croate et était considéré, entre guillemets, comme étant un territoire oustachi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il n'a pas simplement sélectionné Hrtkovci comme étant le lieu idéal de ce rassemblement, il a aussi choisi la date. Celle du 6 mai, parce que c'était le jour, ce jour-là, où devait avoir lieu le rassemblement, parce que c'était le jour de la Saint-Georges, une fête importante en Serbie. Il a donc décidé de consacrer une grande partie de ce jour, fêté par les Serbes, dans un village à majorité croate, et ceci a été annoncé par des affiches, et ça a été annoncé à la radio Ruma. Page du compte-rendu 10.3.3.7. Le jour
où l'accusé a fait son discours de la haine, lui et le SRS, ont tout fait pour que l'impact soit maximal. C'est à dessein qu'ils ont rempli le village d'Erkosi d'une atmosphère tendue. De la musique tchétnique intimidante créant la division ethnique a été diffusée par des haut-parleurs. Un grand nombre d'hommes portant l'uniforme tchétnique de la Seconde Guerre mondiale, d'hommes armés, sont arrivés, se sont éparpillés dans la ville. Et une foule bien plus grande de réfugiés serbes était présente là où se faisait le rassemblement. Ils étaient tous venus pour voir et pour entendre parler l'accusé. Il y avait aussi des Croates de la région qui étaient présents. Vous le voyez à la page du compte-rendu d'audience 10335 et dans les pièces P329 et P1329. La sécurité qui entourait ce rassemblement était bien plus supérieure à ce qu'on trouve dans une campagne électorale habituelle. Outre les hommes tchétniques armés, il y avait un policier équipé d'un fusil automatique sur tous les 100 mètres de la rue. Et le degré de sécurité prévu pour ce rassemblement était si important que ça a rappelé le moment où Tito passait par là au témoin Ejic. Un membre de l'équipe de sécurité de l'accusé portait ce qui semblait être une baïonnette et se tenait debout près de l'estrade. Il était clair que l'objectif était, je cite, « de semer la peur ». Une atmosphère psychologique différente parmi la population locale. Fin de citation. Page du compte-rendu d'audience 10335, 10337, 10338 et 10489. On a lu à la foule la liste de personnalités croates à Erkosi. Et l'accusé admet à la pièce 131, page 1304 et 1305, qu'un membre du parti du SRS qui était debout à ses côtés avait donné lecture de cette liste. Et on a qualifié, on a taxé ces Croates de déloyaux. Au cours de son discours, l'accusé a martelé sa rhétorique de haine et de division. Et il se frappait la poitrine. Il a voulu une grande Serbie. Il a qualifié les Croates d'Erkosi de Ustaché. Il a dit que c'était des ennemis déloyaux du peuple serbe. Il a accusé certains Croates de faire partie de, je cite, la garde nationale Ustaché. Il a dit de leurs parents qu'ils manquaient de loyauté, qu'ils n'avaient pas leur place à Erkosi. Il a demandé qu'on chasse les Croates d'Erkosi. Et il a crié qu'ils rentrent donc dans leur patrie. Fin de citation. Il a accusé Tudjman de vouloir chasser les Serbes de la Croatie. Et il a promis aux réfugiés serbes qu'ils pourraient s'installer dans les maisons des Croates à Erkosi. Il a encouragé chaque famille serbe de réfugiés de frapper à la porte d'une maison croate et de donner une adresse aux habitants de cette maison en dehors de la Serbie, dans un endroit qui soit croate. Et il a lancé un ultimatum aux Croates d'Erkosi. Il leur a dit, soit vous partez en Croatie ou on va vous embarquer dans les autocars et on va vous envoyer à la frontière, en disant, je cite, « Il y aura bien assez d'autocars. Nous allons les conduire jusqu'à la frontière du territoire serbe et de là vous pourrez partir à pied. » Fin de citation. Pièce 547, page 4. Il a donné des instructions aux, citation, « Serbes d'Erkosi et d'autres villages » de vite se débarrasser des Croates qui restaient. Fin de citation. Il a promis aux Serbes qu'ils pourraient venir à bout de la crise sociale et économique en se débarrassant des Croates qui restaient. Et il a menacé les Croates en leur disant que ils n'auraient nulle part où rentrer.
Fin de citation. Des termes qu'il avait pratiquement utilisés dans la ville de Siek qui avait été nettoyée. Je vous en ai déjà parlé. Qu'a fait la foule? Elle a applaudi en criant « Les Oustachis dehors, ici on est en Serbie ». Fin de citation. Nous le disons dans notre mémoire en clôture au paragraphe 559 et 562. Le discours du 6 mai de l'accusé est constitutif de persécution. Dans son discours, l'accusé invoque une litanie de ces dénégations haineuses qu'il a utilisées pour justifier la commission de crimes afin de réaliser l'objectif criminel commun en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Dans un livre qu'il a publié après avoir été mis en accusation en l'espèce, l'accusé a repris en partie la transcription de son discours du 6 mai. Et même si ce n'est qu'une transcription partielle, elle prouve parfaitement l'intention qu'avait l'accusé de persécuter les Croates par son discours de la haine. Surtout si on tient du contexte dans lequel il a fait ce discours, à savoir qu'il y avait un conflit interethnique qui faisait rage en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Lorsque l'accusé a terminé son discours de la haine du 6 mai, il avait personnellement commis le crime de persécution. Et en dépit de ces affirmations, le discours qu'il a fait à Ertrovci n'était pas simplement une promesse électorale innocente. Nous avons l'arrêt Nahimana, en particulier son paragraphe 771, qui montre qu'il n'y a aucune protection légale, ce que j'interprète, pour le discours de la haine fondé sur des termes appropriés. L'accusé a fait un discours rempli de haine ethnique qui voulait semer la peur. Il a exploité son statut, son autorité pour attiser l'attention à dessein entre les Croates de la région et les réfugiés serbes. Il a exploité la violence en cours en Croatie qui effrayait tant les Croates que les Serbes. Et ce faisant, il a violé cette protection de la libre expression et il a transformé son discours de la haine en crime en tant que tel. Et en cela, il encourt une responsabilité pénale. Il a violé le droit qu'avaient les Croates à la dignité, à la sécurité. Les Croates d'Erskovski qui avaient entendu ces mots et où on avait entendu parler savaient que ce n'étaient pas des craintes creuses ou des menaces creuses que j'interprète. Ils savaient que l'accusé c'était un fonctionnaire, un élu influent faisait valoir publiquement son autorité quasi militaire en Serbie comme ailleurs. Il savait que les Chechelieti avaient commis des crimes et il savait que l'accusé influençait et contrôlait les Chechelieti. Disons qu'il était synonyme de ces Chechelieti et ceux-ci étaient notoires pour leur participation aux crimes commis en Croatie par page du compte rendu d'audience. 15-45, 15-411 ainsi que 15-412. Dès après ce discours, nombreux sont les Croates qui ont commencé à se préparer à quitter Ertrovci. Ceci montrait qu'ils se sentaient niés, menacés. Et c'était bien là l'intention recherchée par l'accusé. Lorsqu'arrive le mois d'août 1992, les dirigeants serbes du village ont changé le nom du village, qui est devenu Rbislavci, pour rendre compte du fait que désormais, les Serbes avaient la majorité. Ceci se passe 3 mois à peine après le 6 mai, jour où l'accusé faisait ce discours. Et même les poteaux indicateurs menant au village ou en sortant ont été modifiés et indiqués comme nom de village Erbislavci. Page du compte rendu d'audience 10-382, 383 ainsi que la pièce P549. But the accused... Mais l'accusé avait commencé à s'en prendre aux non-serbes en Vojvodine et à Hrtkovci dès le mois de septembre 1991, c'est-à-dire pendant la guerre en Croatie.
Et je vais maintenant citer la déposition du témoin A, selon votre liste. Comme on le voit dans les pièces P 1112, pages 5 et 6, pièces P 1129, pages 26 à 28, ainsi que pages 161 à 163, l'accusé a donné des instructions en septembre 1991 quant aux modalités de cette campagne de persécution à Hrtkotsi. Expulsion des non-serbes de tous les postes gouvernementaux. Menace visant les non-serbes par voie d'appel menaçant au téléphone. Attaque des non-serbes. Attaque de leurs maisons. Marquage des maisons non-serbes. Jet de grenades et actions destinées à briser les vitres de leurs fenêtres. Donc, en même temps qu'il donnait des instructions relatives à la campagne de persécution contre les Croates de Hrtkotsi en 1991, l'accusé dénigrait aussi les Croates de Croatie. Les forces serbes, et en particulier les hommes de Chechelj, ont mené à bien une campagne violente de persécution contre les Croates dans des secteurs bien choisis de Croatie. Ces discours persécutoires et la campagne en tant que telle ont été rapportés par la presse un peu partout en Serbie. Et il importe de prendre en compte ce que les Croates de Serbie étaient en train de voir. Ils voyaient un peu partout en Croatie les chars de la JNA qui roulaient dans leurs rues. Ils voyaient les villes croates qui étaient bombardées. Ils voyaient des Croates qui étaient expulsés, des Croates qui étaient tués. Ils voyaient la Croatie en train d'être nettoyée de Croates. L'accusé voulait nettoyer la Serbie de ces Croates. Mais ceci ne s'est pas passé en 1991 ou au début de l'année 1992. Car en effet, avant le discours de haine du 6 mai, il est vrai que deux ou trois familles croates sont parties. Et à cet effet, je renvoie les juges de la Chambre aux pages du compte-rendu d'audience 15461 et 15498. Mais la plupart des Croates sont restés jusqu'au 6 mai 1992. Ils étaient trop nombreux aux yeux de l'accusé. Donc son discours du 6 mai avait pour but de donner de nouvelles dimensions à la campagne de persécution en prenant à partie les Croates et en semant la peur dans le village. Les événements qui ont fait suite aux persécutions dues à l'accusé par le biais de son discours du 6 mai prouvent qu'il a commis des expulsions et des transferts forcés. Prouve également qu'il a aidé, encouragé et incité d'autres à persécuter et à commettre des actes de transfert forcé et d'expulsion des Croates de Hrtkotsi. Les articles de presse reprenant son discours de haine et la réaction des Serbes qui l'avaient entendu se sont répandus dans toute la communauté croate de Hrtkotsi. La peur et la panique ont infesté cette communauté. Et comme on peut l'imaginer, les nouvelles se sont répandues de bouche à oreille, d'une personne à l'autre, d'une maison à une autre. Les Croates ont décidé qu'ils n'avaient plus d'autre choix réel que de quitter Hrtkotsi. L'accusé avait averti les Croates qu'ils devaient, je cite, « décamper de Serbie ». Fin de citation. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont eu si peur après le discours qu'ils ont commencé à se procurer les documents, les papiers nécessaires et que nombre d'entre eux sont partis. L'accusé avait donné instruction aux Serbes, je cite, de se débarrasser rapidement de ce qu'il restait de Croates dans leur village et dans les environs. Fin de citation. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont nettoyé les Croates qui restaient encore à Hrtkotsi. L'accusé avait l'intention
et a réussi à instiller la peur au sein de la population croate locale contre laquelle il préconisait la discrimination et la violence. Son discours a aggravé une situation déjà tendue entre les Croates de la région et les réfugiés serbes présents à Hrtkovci. Il a créé un climat d'une telle coercition que la plupart des Croates ne ressentaient plus la possibilité de rester plus longtemps à Hrtkovci. Local Croats. Les Croates de la région ont pris très au sérieux les menaces de l'accusé. Ils ont pris ces menaces très au sérieux parce que le discours de haine prononcé par l'accusé le 6 mai a été interprété comme étant exactement cela, comme étant une menace, un signe d'alarme indiquant qu'il était tout simplement, je cite, impossible de l'ignorer, ce discours. Fin de citation. Après le discours, les Croates ont commencé à se procurer des papiers leur permettant de voyager. Je cite, ils faisaient la queue et attendaient comme devant des ambassades. Fin de citation. Et je renvoie les juges de la Chambre à la page 9920 du compte-rendu d'audience, ainsi qu'aux dépositions du témoin Paulic et des témoins VS 61 et VS 67. Et également, je renvoie les juges aux pièces à conviction P555 et P556. Les juges de la Chambre ont entendu des témoins qui leur ont dit comment les Croates se sont mis à demander à l'Église catholique locale leur certificat de baptême et de mariage afin de pouvoir quitter Hrtkovci. Les demandes concernant ces certificats de baptême et de mariage se sont accrues spectaculairement après le discours de haine prononcé par l'accusé. Des témoins ont déclaré dans leur déposition qu'ils avaient quitté Hrtkovci en rapport direct avec le discours de haine. Donc l'accusé est absolument dépourvu de toute crédibilité lorsqu'il affirme finalement que les Croates ont exercé un choix personnel en quittant Hrtkovci s'ils avaient organisé un échange de biens immobiliers. Le témoin Ejic a dit dans sa déposition que presque tous les noms énumérés dans l'annexe à l'acte d'accusation dans laquelle se trouvent les noms des victimes, pièce P558, je cite, sont allés en Croatie ou même au-delà. Fin de citation, page 10407 du compte-rendu d'audience. Il n'a réussi à trouver que deux exemples de personnes qui ont quitté Hrtkovci pour se rendre en Croatie de leur propre initiative parce que, je cite, tout le reste a été fait soit sous l'effet de la peur, soit sous l'effet d'autres menaces. Fin de citation, page 10408 du compte-rendu d'audience. Les Croates n'ont pas choisi de quitter une communauté au sein de laquelle ils s'étaient sentis en sécurité toute leur vie pour se retrouver en plein milieu d'une guerre en Croatie. Ils n'ont pas choisi de déraciner leur vie personnelle, leur famille, leurs enfants, de quitter leur emploi et leurs amis pour se rendre dans un pays ravagé par une guerre dont ils voyaient les images à la télévision. Ils ont eu le sentiment d'être obligés de partir parce qu'ils ont pensé que leur vie était en danger à Hrtkovci. Pour les Croates qui sont restés, eh bien, ces Croates sont restés parce qu'ils étaient prêts à rester au prix de leur vie. Et je renvoie les juges de la Chambre, par exemple, à la pièce à conviction P555, page 2. Le changement démographique a été la cause
d'un changement de nom de Hrtkovci devenu Sobislavci, ce qui est confirmé par la déposition du témoin Madame Tabo, ainsi que par le rapport du rapporteur spécial des Nations Unies d'octobre 1992, et on en voit une mention également dans la pièce à conviction P982, paragraphe 22, où il est fait référence au nettoyage ethnique des Croates de Voïvodine. Ce changement est corroboré par ailleurs par la déposition du témoin et des articles de presse qui rappellent le souvenir de la fuite des Croates de Hrtkovci. Je renvoie les juges, par exemple, à la pièce P555 et à la pièce P556, pour n'en citer que quelques-unes. La pièce P555 est un article de l'hebdomadaire Nîmes datant du 22 mai 1992, c'est-à-dire de 2 semaines après le discours de haine prononcé par l'accusé. Et cet article est intitulé, je cite, « Hrtkovci, un village en déplacement ». Le programme de Vojislav Šešelj consistant à provoquer le départ de la population non serbe de Serbie devient réalité. Fin de citation. Un policier de la région à la retraite explique dans cet article ce qui suit, je cite, tout cela a commencé après le discours de M. Šešelj dans ce village. Nombre de personnes avaient déjà quitté le village à ce moment-là. Fin de citation. Donc tous ces éléments de preuve montrent l'incidence qu'a eu le discours de haine prononcé par l'accusé et le montrent au-delà de tout doute raisonnable. Lorsque l'accusé affirme que 8 personnes seulement ont été expulsés par la force de Hrtkovci, il s'agit d'une grossière déformation de la réalité. Dans sa lecture erronée du droit, il affirme que seuls les Croates qui avaient subi des torts matériels étaient qualifiés pour se dire persécutés ou déplacés par la force. Ceci ne correspond pas au droit et ne correspond pas aux faits, et cette affirmation doit être rejetée. Les paragraphes pertinents de mémoire en clôture de l'accusation sont les paragraphes 522, 529, 541, 550, ainsi que 555 à 564 sur ce point. Et j'aimerais maintenant évoquer des éléments de preuve qui montrent que l'accusé a aidé, encouragé et incité les persécutions et les transferts forcés ainsi que les expulsions par son discours. Son discours de Hrtkovci doit être apprécié dans le contexte des nombreuses expressions dénigrantes utilisées par lui à l'encontre des Croates. J'en citerai comme exemple ce qui s'est passé le 1er avril 1992, au moment où les prises de certaines localités en Bosnie-Herzégovine s'effectuaient de la part des Serbes. L'accusé s'est servi de l'Assemblée nationale à ce moment-là pour attaquer les Croates de Serbie. Il a dit que les Croates devaient être chassés par la force de Serbie en représailles pour le fait que des Serbes avaient été chassés de Croatie. Il a rejeté la notion selon laquelle il pouvait y avoir des Croates loyaux à la Serbie, et ceci se retrouve dans la pièce P16 dont je demande la diffusion. Affirmant que l'argument n'allait pas dans la bonne direction, Šešelj a demandé à reprendre la parole. Voici un résumé des débats où il était question de propos suggestifs selon lesquels les Croates auraient expulsé les Serbes de Zagreb. Où étaient les Croates qui attendaient à Belgrade et en Serbie? Selon lui, ceci représente simplement un échange normal de personnes selon le principe de la réciprocité ou, comme il l'a expliqué, selon le principe des représailles. Mahmut Memic et Antun Skenderovic ont agi en réaction à cela. Antun Skenderovic a déclaré que les positions de Šešelj étaient déjà bien connues, mais qu'il était bon qu'il les présente devant l'Assemblée et qu'il montre que les Croates de Serbie étaient des otages. Plus tard, dans sa réponse, Šešelj a maintenu que ce régime était trop tendre vis-à-vis des Croates et qu'après les nouvelles élections, ils seraient tous expulsés et qu'ils n'en resteraient plus résidents en Serbie, ou que ceux qui restaient ne dormiraient plus tranquillement, tant qu'ils ne seraient pas partis.
Ils sont en train d'aider les Oustachis pendant la présente guerre également, a-t-il dit, fin de citation. L'accusé a maintenu la pression sur les Croates de Hrtkovci en apparaissant en personne dans ce petit village avec toute la pompe du moment et des attributs quasi militaires pour cet homme politique qui n'était pas la règle pendant ses apparitions publiques jusqu'à ce moment-là. Ce qui en a suivi a été une campagne de discrimination, de coercition et de violence dirigée contre les Croates, dont certains des auteurs étaient liés à l'accusé. En conséquence directe du discours prononcé par l'accusé le 6 mai, les Croates ont été harcelés, intimidés et menacés dans des conditions exactement identiques à celles qui figuraient dans les instructions données par l'accusé en septembre 1991. Des menaces étaient proférées tous les jours. Des grenades à main étaient jetées dans les maisons appartenant des Croates. Des chiens étaient tués et des menaces de recourir à des bombardements étaient fréquentes. Page 10777 du compte-rendu d'audience. Pièce. Page 9919 du compte-rendu d'audience, pièce P551, P555, P559 et P564. Les éléments de preuve montrent que grâce à son appui et à ses encouragements, qui étaient les outils utilisés par l'accusé, ceux qui servaient ses objectifs, tels que Ostoja Sibinčić, Rade Čarmak et d'autres, s'en sont pris aux Croates, tout comme l'accusé avait l'intention de le faire dans son discours du 6 mai. Et je renvoie les juges de la Chambre à la pièce P564, à la page 2471 du compte-rendu d'audience, page 2475 et 2476 du compte-rendu d'audience, ainsi qu'aux pièces P1129, pages 26 à 28, et P1112, pages 5 à 6. Sibinčić était un des principaux organisateurs du rassemblement de la RSRS au mois de mai. Il se tenait sur le côté de la tribune pendant les discours ce jour-là. Avec d'autres hommes, lui et Čarmak ont terrorisé les Croates à Hrtkovci. Ils étaient tous deux les hommes de l'accusé à Hrtkovci. Au printemps de l'année, ils se sont rendus au bureau du SRS à Belgrade où l'accusé leur a donné, je cite, « le feu vert » pour chasser les Croates de Hrtkovci. L'accusé avait déjà également donné le feu vert à d'autres hommes afin qu'ils prennent pour cible les Croates d'Hrtkovci en mai 1992. Ces éléments de preuve sont illustrés dans les pièces P1058, paragraphes 101 et 102. Pièce P1056, paragraphe 87 à 88, pièce P1112, page 12, et P1129, page 27 à 28, et 65 à 66. Bon nombre de personnes à l'intérieur et à l'extérieur d'Hrtkovci ont affirmé que Sibinčić travaillait étroitement avec l'accusé, que c'était les bras droits de l'accusé et qu'il faisait tout le seul boulot du SRS à Hrtkovci. Je demande au juge de la Chambre de bien vouloir se reporter à la déposition des témoins Barišević, Eyish, VS 67, VS 1036, VS 61, VS et pièce P564, page 5. En août 1992, Sibinčić et Čarmak ont été accusés ainsi que trois autres hommes d'avoir commis des crimes contre des Croates à Hrtkovci. Mais plutôt que de condamner leurs actions ou de garder le silence, l'accusé, le 27 août 1992, a publiquement exigé leur remise en liberté. Je cite, Sibinčić et les autres hommes arrêtés à Serbislavci, anciennement Hrtkovci,
doivent être remis en liberté sur le champ. Pièce P 1202, page 10. Et l'accusé évoque Hertkowski comme étant anciennement Hertkowski, quelques mois seulement après le discours qu'il a prononcé à la date du 6 mai. With this public demand, the accused... Avec cette demande qu'il a faite publiquement, l'accusé a montré à la fois qu'il était affilié à Sibnicic et il a de surcroît encouragé et aidé la campagne criminelle de persécution et de transfert forcé qui s'était déroulée à Hatkovsi. Avant de conclure, je vais évoquer quelques autres affirmations faites par l'accusé dans son mémoire. Premièrement, la chambre de première instance a versé au dossier la déclaration du témoin A sur votre tableau. Il s'agit de la pièce P1112. Sa déposition viva voce a été versée au dossier en tant que pièce P1129. Le témoin A a été contre-interrogé dans cette autre affaire. Sa déposition qui a été versée au dossier est crédible et fiable. Mais l'accusé affirme dans son mémoire que le témoin A est un témoin à décharge qui a rétracté les déclarations qui a remises au bureau du procureur dans une autre affaire. Je demande au juge de la Chambre de bien vouloir se reporter à l'annexe qui reprend non seulement les faits, mais aussi les déductions et les conclusions qui peuvent être tirées de ces faits. Le témoin A a fourni des déclarations qui n'ont pas été faites sous serment, qui n'ont pas été versées au dossier, ne constituent pas des éléments de preuve en l'espèce. Et sa déposition prêtée sous serment, mais qui n'a pas été versée au dossier, ne constitue pas des éléments de preuve en l'espèce. Ce qui constitue les éléments au dossier en l'espèce sont les éléments de preuve fiables et qui ont une valeur probante, et donc la déclaration qui a été admise et sa déposition qui a été admise. Le deuxième point que je vais aborder qui a été soulevé par l'accusé sont les suivants. D'après lui, il ne peut être convaincu et condamné que pour avoir incité à ses partisans et ses sympathisants. S'il y avait eu un comité local du SRS à Hatkovsi à l'époque du discours, c'eût été le cas, mais c'est la seule manière dans laquelle il aurait pu exercer son influence. Ceci permet de constater qu'il n'y a aucune base juridique, quelle qu'elle soit ou factuelle, pour étayer cette affirmation et cet argument doit être rejeté. Quand bien même cela serait vrai et que l'accusé ne disposait pas d'un comité local officiel, il avait certainement des sympathisants et des partisans. Et c'est la raison pour laquelle il a pu organiser le rassemblement politique à Hatkovsi, chose qu'il a faite effectivement. Et troisième point, comme cela est exposé dans la décision rendue par la Chambre d'appel le 31 août 2004 en l'espèce, pour ce qui est de la condition juridictionnelle, l'article 5 n'exige pas qu'il existe un lien matériel entre les actes de l'accusé et un conflit armé. Il n'y a qu'un lien entre l'article 5 concernant le crime et le conflit armé qui importe. Il suffit que les actes coïncident au plan géographique et temporel avec le conflit armé. Pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation, il existait un conflit armé en Croatie et dans la République de Bosnie-Herzégovine. Et les crimes qui ont été commis par l'accusé à Hatkovsi sont liés au conflit en Croatie et à sa poursuite de l'idée de la Grande Serbie. Lorsque l'accusé a commis les crimes à Hatkovsi, un conflit était en cours en Croatie. Les civils serbes et croates ont subi les conséquences de ce conflit. Les Serbes de Croatie se sont enfuis en direction de la Serbie. Les réfugiés serbes qui sont arrivés à Hatkovsi ont vu dans les Croates en Serbie la raison ou la cause de leur souffrance et les tensions se sont intensifiées. Et l'accusé lui-même établit un lien entre ce qui se passait en Croatie et ce qui se passait en Serbie. Et il a accusé les Croates de Vojvodine d'avoir conspiré avec Tudjman en tant qu'Ustachi, par exemple. Les juges de la Chambre disposent d'autres exemples. Mais un exemple que je peux vous citer est celui du 12 juin 1992, lorsque l'accusé a déclaré, lors d'une interview à la radio, que les Croates, je cite, « devront quitter la Serbie, selon le principe de réciprocité ». J'entends par là, étant donné que Tudjman a chassé plus de 300 000 Serbes,
qu'attendent maintenant les Croates en Serbie. Fin de citation. Correction du compte-rendu d'audience. En outre, comme les juges de la Chambre l'ont déjà entendu, le président Milosevic, le président de la République de Serbie, a fourni un appui militaire, policier et politique depuis la Serbie au conflit en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. L'accusé lui-même avait rassemblé des volontaires en Serbie et les a déployés en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. En conséquence, la condition juridictionnelle en application de l'article 5 est satisfaite pour ce qui concerne Hatkovci en Serbie, et ceci est mis en exergue dans le mémoire en clôture de l'accusation en paragraphe 542 à 544 et de 548 à 550. L'accusé n'a pas contesté le fait qu'il y ait eu des changements démographiques drastiques à Hatkovci. Ce qu'il propose sont des excuses et une justification, car il tente de défaire le lien qui pourrait exister entre lui-même et l'exode massif des Croates qui découle de son discours. Aucune de ces justifications qu'il avance ne permettent de minimiser les éléments de preuve présentés par l'accusation. En conclusion, le fait que l'on puisse parler aujourd'hui des Hatkovci avant la date du 6 mai 1992 et qu'on parle d'après Hatkovci, eu égard aux propos de l'accusé ce jour-là, met clairement en lumière la manière dont ces crimes ont, de façon permanente, changé la face du village multiethnique de Hatkovci en Serbie. Je vais maintenant conclure et remettre le pupitre à mon confrère. Je vais donc céder la parole à M. Markussen. Bien, Monsieur Markussen, vous avez la parole. Thank you, Your Honor. Merci, Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Juge. La responsabilité pénale individuelle de l'accusé en raison des crimes visés à l'acte d'accusation a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Pour l'accusé, la Grande Serbie, c'était sa raison d'être. Tout au long du procès, l'accusé s'est efforcé de se présenter comme étant la victime de complot et d'injustice menée à cause de sa foi idéologique en une Grande Serbie. Et il a fait ces affirmations pour détourner l'attention des preuves apportées au cours de ce procès, à savoir qu'il est responsable de la souffrance subie par des dizaines de milliers de victimes qui furent chassés de leur foyer, assassinés, placés en détention, torturés, violés. De victimes dont les villages, les villes, les lieux de culte ont été détruits sans motif à cause de ses maux, à cause de ses actes à lui. La désintégration de l'ex-Yougoslavie a déchiré les républiques qui la constituaient. Ainsi, l'accusé et les autres membres de l'entreprise criminelle commune ont mis de côté leurs différences politiques. Et l'accusé, main dans la main, avec d'autres membres de l'entreprise criminelle commune, s'est attelé à la création d'un État qui soit mono-serbe. Lorsque les régions autonomiques serbes ont été créées en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, l'accusé a entamé une campagne de propagande implacable pour justifier la création d'une Grande Serbie. Sa position politique lui permettait de faire cette propagande et de l'adresser à un vaste public. Et c'est ce même poste qui a enrobé ces mots, ces paroles de respectabilité,
alors que sa propagande était avilissante et déshumanisante sur le plan ethnique. Il a prôné l'idée voulant que les non-serbes, qui autrefois avaient été des voisins, des amis de la famille, étaient désormais sous-humains, génocidaires, et devaient être chassés de cette nouvelle Grande Serbie par tous les moyens possibles, comme il l'a dit il y a 20 ans, le 5 mars. Lorsqu'il a dit que les non-serbes avaient de bonnes raisons d'avoir peur des Serbes, des crimes qui ciblaient ces non-serbes ont vite été commis. Et par ses paroles, il a semé la graine de la haine ethnique et il l'a aidé à croître et à éclore en violence ethnique dirigée contre les non-serbes. L'accusé s'est façonné une personne publique, une personnalité publique de commandant d'une force armée qui allait exécuter sa volonté. Il s'est servi du SCP et de l'état-major de guerre de SRS qu'il contrôlait. Il a ainsi recruté, organisé des milliers de volontaires. Et ces volontaires étaient si étroitement associés à lui qu'on les connaissait par son nom. On disait que c'était les hommes de Chechel, les Chechelievti. Il les a envoyés en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, afin d'appuyer les nouvelles structures serbes qui venaient d'être créées, comme les TO en Croatie et les cellules de crise du SDS en Bosnie-Herzégovine. Lorsque la JNA, à la suite de cas de désertion et de la purge de ceux qui n'étaient pas serbes, avait besoin de ces Chechelievti, il a envoyé lui ses unités afin qu'elles participent aux opérations de la JNA en Croatie. Ces Chechelievti ont combattu côte à côte avec d'autres forces serbes que les membres de l'entreprise criminelle commune avaient établie et contrôlaient. De par ses contacts avec les autres membres de l'entreprise criminelle commune et par son état-major de guerre, l'accusé a veillé, s'est assuré que ces hommes étaient armés, équipés, transportés et déployés. Il a veillé à ce que ces hommes puissent réintégrer un travail par la suite, qu'ils bénéficient d'indemnités, de façon à ce qu'ils puissent être déployés. Il a fourni l'encouragement, le soutien moral nécessaire par ses inspections sur le front et par ses discours qui les récompensaient de leur réussite. Et à tout du moins, à partir du mois d'août 1991, les forces de combat serbes conjointes que lui et les autres membres de l'entreprise criminelle commune avaient créée se livraient à une campagne de persécution contre la population non serbe dans de grandes parties de la Croatie où les hommes de l'accusé se sont taillés une sinistre réputation en raison de leur brutalité et des crimes qu'ils y ont commis. En dépit des conséquences funestes de cette campagne en Croatie, l'accusé a poursuivi son implacable campagne de propagande contre les Croates. Il a incité à la commission de nouveaux crimes en faisant sans cesse l'amalgame entre les Croates et les fascistes oustachis. Et en répétant, en martelant ses appels à une vengeance sanglante pour les crimes commis par les oustachis contre les Serbes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et comme il en avait l'intention, les crimes ont été commis. La JNA s'est livrée à la destruction sans motif de Vukovar et a forcé la population non-serbe à prendre la fuite. C'était faire zone après zone dans les zones qui étaient tombées auparavant. Quand Vukovar a fini par tomber, des forces serbes, y compris de nombreux Chechelievti, que l'accusé avait personnellement décidé d'envoyer à Vukovar, ces hommes, ces forces ont chassé, assassiné, battu, torturé, violé et imposé des sévices à la population non serbe qui restait sur place. L'accusé et les autres membres de l'entreprise criminelle commune ont poursuivi leur campagne de persécution en Bosnie-Herzégovine lorsqu'elle s'est engagée sur la voie de l'indépendance.
Il a apporté son soutien inconditionnel à la poursuite de cette campagne de persécution. Il a intensifié sa campagne de propagande dirigée contre les musulmans et les croates. Il a dépêché des milliers de ces hommes afin que soient soutenues les nouvelles cellules de crise et les nouvelles TO en Bosnie-Herzégovine. La menace qu'il avait proférée de faire couler des rivières de sang est devenue une abominable réalité pour les non-serbes lorsque ces Chechelievci en Bosnie-Herzégovine ont participé aux atrocités commises par les forces serbes qui s'emparaient de territoires revendiqués par les Serbes. À Zvornik, dans la région de Sarajevo, à Mostar, à Neve Sinje, ce sont ces Chechelievci qui ont participé à des actes systématiques de expulsion, détention, meurtre, torture, viol et autres sévices sexuels infligés à des non-serbes et à la destruction sans motif des biens non-serbes et de lieux de culte. Madame et messieurs les juges, les éléments de preuve apportés en l'espèce prouvent au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé est responsable de la commission de crimes qu'il n'a pas effectués lui-même, mais qui ont été commis par ces hommes, les Chechelievci, et par des membres des forces armées contrôlés par les membres de l'entreprise commune retenue dans l'acte d'accusation. Pourquoi ? Pour les raisons suivantes. Tout d'abord, l'accusé et les autres membres de l'entreprise criminelle commune, à tout du moins à partir du mois d'août 1992, s'étaient formés en entreprise criminelle commune afin de mener une campagne généralisée et systématique de persécution contre les non-serbes dans les zones convoitées comme étant des terres serbes en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Deuxième raison. Les crimes faisaient partie intégrante de cet objectif criminel commun. Troisième raison. L'accusé a apporté une contribution significative, importante à l'objectif criminel commun par son incessante propagande, par cette incitation constante et par l'envoi de ces milliers de Chechelievci qu'il a dépêchés afin de commettre des crimes et de participer à ces crimes. Les éléments de preuve prouvent aussi que l'accusé est coupable d'actes de persécution de par son discours de haine à Vukovar, par le discours de haine de Hrtkovci. Ces discours menaçaient les Croates et ont été délivrés dans un contexte de tensions ethniques extrêmes. Ces discours, au-delà de tout doute raisonnable, ont privé les Croates de ces régions de leur droit à la sécurité, les a privés de leur droit à la dignité. De plus, en conséquence de l'environnement de coercition que l'accusé a créé, de par son discours d'Hrtkovci, nous venons de l'entendre encore une fois, bon nombre de Croates se sont sentis obligés de partir du village. Il est par conséquent aussi coupable du crime d'expulsion et de transfert forcé. Il est donc coupable des crimes visés à l'acte d'accusation. Nous l'avons exposé dans le mémoire en clôture. Il encourt aussi la responsabilité pour avoir incité à la commission des crimes retenus dans l'acte d'accusation au fait de les avoir aidés et encouragés. Il est désormais prouvé coupable de ces crimes. Maintenant vient le moment de la peine, de la rétribution. Les crimes commis par l'accusé à Vukovar, à Zvornik, dans la région de Sarajevo, à Mostar, à Neve Sinje, à Hrtkovci, sont graves, tant par leur ampleur que par leur caractère haineux. Ces actes et ces comportements criminels ont, de façon spectaculaire, transformer ces communautés pluriethniques
à cause du transfert forcé, de l'expulsion de dizaines de milliers de non-serbes, surtout des Croates et des musulmans. Ces actes et son comportement ont entraîné la dévastation de villes, de villages, notamment de maisons musulmanes, de maisons croates, d'hôpitaux, de commerces, de cimetières, à pousser au pillage, à encourager la destruction de lieux de culte, à provoquer le meurtre de 905 personnes. Les crimes qu'il a commis étaient des crimes d'une taille massive, mais ils aussi étaient d'une particulière brutalité. Ils ont contribué à l'assassinat d'enfants, de nourrissons, de nouveau-nés, de femmes enceintes, de personnes âgées, de personnes malades. On a gravé des croix sur la peau des musulmans. Il y a eu des viols d'hommes comme de femmes, dans des circonstances du plus grand sadisme. Ces crimes méritent une peine qui rende compte de cette gravité. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Le fait qu'il se soit livré au tribunal ne devrait pas être retenu en tant que circonstance atténuante, parce qu'il en avait l'obligation légale. De plus, le comportement qu'il a affiché en détention et dans le prétoire ne constitue pas non plus de circonstance atténuante. Que du contraire, l'accusé a annoncé qu'il était ici pour faire voler en éclats le tribunal. Il s'est servi du procès comme d'une tribune politique pour poursuivre sa politique de suprématie ethnique serbe. Il n'a ménagé aucun effort pour empêcher le bon fonctionnement de l'administration de la justice, pour permettre que le tribunal permette la manifestation de la vérité et que les gens soient tenus responsables de leurs actes. Il a toujours affiché un mépris, un outrage constant. Il s'est acharné à invectiver, à insulter les témoins dans le prétoire, en dépit des admonestations répétées de la Chambre. Lui et ses collaborateurs ont cherché à dissuader les témoins qui avaient des liens avec l'accusé pendant le conflit de venir témoigner et de dire la vérité. Parfois, il leur a même dit ce qu'il leur fallait dire et comment se retracter, désavouer leurs déclarations antérieures. Il n'a eu de cesse de violer les ordonnances de protection de témoins. Il s'agit là de circonstances aggravantes significatives. De surcroît, l'accusé ne montre aucun remords. Écoutez sa propagande, écoutez ses incitations. Il a dit à cette même chambre, je cite, « Et vous pensez que ce que vous lisiez hier, les citations que vous faisiez de mes discours et les séquences que vous montriez de mes discours, vous pensez que ça m'embêtait? Au contraire, vous m'avez rendu service. Vous avez rappelé au peuple serbe ce que j'ai fait ces années-là. Comment je me suis taillé ma réputation parmi le peuple serbe ?» Fin de citation. Il n'a eu de cesse de dire à ce tribunal, je cite, « Je suis fier de tout ce que je disais alors et je suis prêt à répéter chacun de mes discours, même aujourd'hui. » Je cite ici la page du compte-rendu d'audience pour ces deux citations, 16 801, 16 818. Et d'ailleurs, lors de l'audience de lundi,
Il y a deux jours à peine, voici ce qu'il disait quand il entendait ces paroles. Il dit, ce sont les paroles d'un génie dont je suis fier encore aujourd'hui. Page du compte-rendu d'audience, 48, ligne 4. Je pourrais fournir, si nécessaire, cette citation par écrit à la Chambre. Vous pourrez avoir une référence au compte-rendu officiel. Aucun procès, aucune déclaration de culpabilité, aucune peine ne redonnera vie à ceux qui l'ont perdu, à ceux dont la vie est ruinée à cause des crimes de l'accusé. Mais ce fait ne veut pas dire qu'on ne doit pas le punir pour autant par une peine de prison, d'emprisonnement importante. Nous recommandons une peine de 28 ans d'emprisonnement qui s'ajouteront à toute autre peine qui lui aurait été imposée pour outrage au tribunal. C'est ainsi que se termine le réquisitoire de l'accusation, Monsieur le Président. L'accusation aimerait se réserver le temps qui lui reste pour des arguments en réplique, si ceci s'avérait nécessaire, suite aux plaidoiries de l'accusé. Permettez-moi d'évoquer rapidement deux questions. Je me permets de demander que la liste des pseudonymes soit ajoutée, soit versée au dossier, de façon à ce que vous puissiez identifier ces personnes par la suite. Deuxième chose, à la page du compte-rendu 17145, ligne 13, il y a un nom qui apparaissait, celui de Krajcnik. Mais il fallait lire Karadzic. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame et Monsieur le Juge. J'ai quelque chose à dire. Merci, Monsieur le Procureur. Tout d'abord, Monsieur le Greffier, le document qui nous a été remis, donnez-lui un numéro, puisqu'il permettra par la suite de s'y retrouver. Yes, sir. Ce sera la pièce P1404 sous scellé, Monsieur le Président. Bien. La plaidoirie de l'accusé est prévue la semaine prochaine, à partir de lundi 14h15, et l'accusé à 10h, tout compris, pour sa plaidoirie. Par ailleurs, la Chambre invite l'accusé, s'il a des documents à citer, et notamment les deux ouvrages qu'il a transmis à la Chambre, l'un de couleur bleue, l'autre de couleur rouge, je n'indique pas les titres, afin de faciliter le travail des interprètes, dans l'hypothèse où il y aurait des références à des pages de ces deux ouvrages, je l'invite à fournir avant lundi, via le greffe, aux interprètes, les pages qu'il aurait l'intention de citer afin de permettre aux interprètes de traduire, étant précisé que les deux ouvrages, l'un qui est en bleu, l'autre qui est en rouge, sont des rééditions multiples et qu'à ce moment-là, il peut y avoir entre le dernier ouvrage que la Chambre a eu et ceux qu'elle n'a pas eu, des discordances dans les références. Donc je l'invite à fournir exactement, s'il le veut, il n'est pas obligé, tout document. Étant précisé que ces ouvrages ne sont pas des éléments de preuve, ils sont simplement des documents auxquels l'accusé peut se référer s'il en éprouve le besoin. Par ailleurs, lorsque l'accusé plaidera, j'invite également l'accusation à rester silencieuse, sauf si par extraordinaire il y a une erreur au transcript ou
un nom de témoin protégé qui malencontreusement apparaîtrait. Mais la Chambre, bien entendu, peut toujours intervenir et veiller. Car comme je l'ai dit, le réquisitoire doit s'écouter dans le plus grand silence et la plaidoirie également dans le plus grand silence. Voilà. Avant de donner la parole à M. Seychelles qui voulait nous dire quelque chose, M. Marcussen, qu'avez-vous à nous dire ? La Chambre vient de dire que ces livres ne sont pas des éléments de preuve. Par conséquent, nous pensons qu'il ne convient pas que l'accusé y fasse référence. Il se peut qu'il y ait certains extraits qui étaient versés au dossier, eux, en tant que pièce à charge. Et si l'accusé souhaite les utiliser, bien entendu, à ce moment-là, libre à lui d'utiliser quelque chose qui fait partie du dossier. Mais à notre avis, il ne peut pas faire référence à des éléments qui ne font pas partie du dossier. Il doit se border à utiliser uniquement les pièces du dossier. Bon, M. Seychelles, qu'avez-vous nous... Cette interprétation-là est fausse, est erronée. D'abord, vous m'avez empêché de présenter mes éléments de preuve à décharge. La totalité des documents que j'ai proposés pour versement dossier à l'occasion des contre-interrogatoires au tout début du procès ont été rejetés. Et j'ai cessé de les proposer pour versement par la suite. Étant donné que je n'ai pas eu la possibilité de présenter mes éléments de preuve à décharge, je vous ai communiqué en temps utile, c'est-à-dire avant mon recueil principal, il y a un livre qui dit « Entreprise criminelle rimo-catholique de création d'une nation artificielle croate » et l'autre c'est « L'idéologie du nationalisme serbe ». J'ai l'intention, pour ma part, d'utiliser certaines citations tirées de ces livres-là pour en faire une partie intégrante, non pas d'éléments de preuve, de mes éléments de preuve, mais de mes plaidoiries. Je n'ai aucune intention de proposer des éléments de preuve. Tout ce que je voulais verser, vous l'avez rejeté. Vous ne m'avez pas laissé présenter mes éléments d'échange. Donc pour moi, l'affaire est close. Mais j'ai le droit, afin de ne pas interpréter au petit bonheur la chance, j'ai le droit de donner lecture de certains passages. Personne ne saurait m'en empêcher. Je vous les ai communiqués en temps utile. Je ne vais pas vous communiquer des citations déjà marquées. Les services d'interprétation peuvent faire des photocopies des livres et lorsque je donnerai la page telle et telle, on pourra suivre la citation que je me propose de lire. Je n'ai pas la possibilité de vous communiquer tout ceci. Il n'y a personne pour m'aider. Et le directeur de l'unité de détention ne me laisse communiquer aucune espèce d'écriture parce que ces services ne veulent pas photocopier afin que je puisse disposer de copies. Et pour moi, les copies, c'est la seule preuve que j'ai d'avoir envoyé quelque chose. Donc, il ne faut pas compter dessus. Ce que je voulais dire quand j'ai demandé la parole, c'est ce qui suit. Monsieur Marcussin n'a pas le droit de réserver du temps. Il a obtenu ses 10 heures pour le réquisitoire de l'accusation. Il n'a pas su comment exploiter la totalité de ses 10 heures. Mais c'est son problème à lui. Moi, je me propose d'exploiter la totalité de mes 10 heures à moi. Et je vais peut-être demander 2 ou 3 heures de plus. Ça, c'est aussi un droit qui est le mien. Dans toutes les autres affaires où les accusés se sont défendus eux-mêmes, il y a eu un avantage du côté de l'accusé pour ce qui est du temps imparti par rapport au temps imparti à l'accusation. Monsieur Milosevic avait bénéficié de 60% par rapport à 40%. Monsieur Karadzic est... Je crois que Mme Latensi est témoin, il n'est pas pratiquement pas limité dans le temps. Or, il n'y a que moi qui suis ramené au temps utilisé par l'accusation, et ce, de façon stricte. Je vais probablement, peut-être pas, mais je ne peux pas jauger du temps nécessaire. Il se peut que je vienne à demander un peu de temps en plus. Le procureur a le droit de procéder à une argumentation, ou de présenter une argumentation en réplique. Pas autant qu'il veut, le temps que vous lui donnerez, une heure ou deux, mais le temps que vous lui donnerez pour sa réplique, moi il faut que j'ai le même temps pour la duplique afin que mes propos viennent en dernier. Et je ne vais pas laisser ou ménager du temps pour se faire sur le temps
au principal. Mais je vous rappelle qu'il faudra faire comme cela. Si vous ne faites pas comme cela, eh bien tant mieux pour moi, il y aura un argument de plus qui, sur le plan professionnel et moral, va avilir les faits et gestes de ce tribunal. Et moi, mon objectif, c'est justement de le faire s'effondrer plutôt que de le faire ou de faire en sorte qu'il soit apprécié. Je n'ai point besoin de vous en convaincre. La Chambre, dans sa décision ayant fixé pour chacun le nombre d'heures, a pris le soin d'indiquer que le réquisitoire et la plaidoirie ne sont que des compléments aux écritures qui ont été déposées. L'accusation a déposé des écritures. Vous-même, vous avez déposé des écritures qui font plus de 600 pages. La Chambre, dans son infinie bonté à votre égard, vous a octroyé 10 heures, ce qui est un temps considérable, car je n'ai pas souvenir, ici, dans ce tribunal, des réquisitoires qui et des plaidoiries autour de ces 10 heures. C'est bien souvent beaucoup moins. En revanche, une pratique de ce tribunal, c'est que il se peut que dans des cas exceptionnels, après une plaidoirie, le procureur veuille reprendre la parole pour préciser quelques ou quelques points, et à ce moment-là, la parole est donnée à la défense qui a de toute évidence la parole en dernier. C'est la règle de droit en la matière. Par ailleurs, une plaidoirie, c'est une plaidoirie. Vous avez entendu un réquisitoire, vous avez toute liberté de parole pour aborder les points que vous voulez. Mais encore faut-il également ne pas faire perdre de temps à la Chambre. Donc nous veillerons évidemment à ce que votre temps soit utilisé de la meilleure manière possible pour votre défense. Mais je n'ai a priori aucun souci, vous utiliserez parfaitement votre temps. Donc, vous nous avez indiqué que, nonobstant l'invitation que je vous faisais, vous n'aurez pas la possibilité de transmettre aux interprètes les documents. Bon, les interprètes qui font des merveilles géreront cela. Quoi qu'il en soit, les deux livres, je les ai lus, donc je contrôlerai bien entendu vos propos au travers des livres, car je me suis infligé la lecture de plus de 2000 pages. Voilà. Et bien entendu, vous avez reconnu vous-même que ce ne sont pas des éléments de preuve, mais que vous vous y référez. Sur ce, je ne vois aucun problème en la matière. Voilà. Oui, Monsieur Seychelles, et on va terminer. Monsieur le Président, je n'ai plus de livre en version anglaise, moi-même. Mes conseils juridiques m'ont récemment apporté 5 complets. Moi, j'ai confié cela tout de suite à qui de droit. Dès qu'ils sont entrés dans l'unité de détention, j'ai donné ça au gardien pour que ce soit transmis au tribunal. 3 complets pour les membres les juges de la Chambre, 1 pour le procureur et 1 pour le greffier. Je crois que c'est un maximum de ce à quoi on pourrait s'attendre et devrait s'attendre de ma part. On n'a pas pu en apporter plus. Mais leur visite, étant donné que je n'ai pas eu de communication privilégiée, on s'est installé pendant 2 jours, on a parlé de choses et d'autres, mais on n'a pas pu parler de l'affaire, étant donné que nous avons conclu du fait que c'était mis sur écoute. Je n'ai pas bénéficié d'une conversation, une communication privilégiée, parce que Nemanja Šarović, mon conseiller, était présent. On était assis dans une pièce, mais comme il n'y a pas eu d'interprète pour contrôler la communication, on a tiré la conclusion d'être mis sur écoute, parce qu'on nous avait fait savoir que ce n'était pas une communication privilégiée. Et leur arrivée ou leur déplacement a été mis au service de l'apport de ces livres. Parce que si ça avait été envoyé par la poste, ou si c'est mon épouse qui les aurait apportés, on ne m'aurait donné qu'un jeu, et les 4 autres jeux auraient été saisis, sans me demander pourquoi j'avais besoin de 5 complets. Parce que
les autorités de l'unité de détention ont peur de ma propagande à l'égard des autres détenus. Et j'ai appris hier, partant d'un document qui m'a été communiqué par le greffier, la chose suivante, à savoir qu'on m'avait interdit de communiquer avec certains détenus. Mais je n'ai jamais reçu la chose par écrit. Il s'agit de Goran Radjic, il s'agit probablement d'autres détenus. Comment j'ai fait pour savoir pour Goran Radjic? On nous a enfermés lorsque j'ai reçu la visite d'un conseiller parce que Radjic était dans le séjour avec sa famille. Enfin, je pense que c'est incroyable, c'est inconcevable. S'il y a des raisons de m'interdire de communiquer avec quelqu'un, il faut donner une ordonnance et argumenter. Pourquoi Radjic, justement? Parce que dans mon procès, j'ai démantelé tout ce qui s'était passé à Ovtchara. Or, le procureur n'arrête pas d'avancer la vieille variante des arguments ou des chefs d'accusation, comme quoi les autorités civiles auraient remis les détenus à... En ce qui concerne les trois juges qui sont devant vous, quoi que vous pouviez penser d'eux, nous n'avons rien interdit du tout. Donc, s'il y a une contestation... Problème ? Ouais. Je reprends. Monsieur Seychelles, je disais que la Chambre n'a rien interdit du tout et que le problème que vous soulevez relève de la compétence du greffier et du président, pas de nous. Donc, ce que vous dites est au transcript, mais en ce qui nous concerne, je vous confirme, nous n'avons rien interdit. Voilà. Sur ce, tout ayant été dit, nous nous retrouverons lundi à 14h15. Je vous remercie. All rise. Feu vous levez.